Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le but de notre visite à Rome était de rencontrer Sa Sainteté le Pape, car nous savions qu'avec sa prière et ses conseils, le Congo pourrait espérer retrouver bientôt la paix et la sérénité dont il a tant besoin. J'ai pu, en ce qui me concerne, puiser auprès de Sa Sainteté le courage et l'espérance sans lesquels il me serait impossible de poursuivre la tâche délicate qui m'a été conférée par le peuple congolais lui-même. Le Congo traverse, vous le savez bien, une situation très critique. Elle était plus critique encore, voire même tragique, avant même que le gouvernement que j'ai l'honneur de présider ait accédé au pouvoir. Les trois quarts du pays se trouvaient entre les mains des rebelles qui pillaient et détruisaient tout sur leur passage. Ils saccageaient les écoles, démolissaient les églises et les bâtiments administratifs et massacraient hommes, femmes et enfants, avec un cynisme jamais égalé dans l'histoire des hommes.